Mais nous prenons tout de suite la direction de la place de la Liberté à Tours, où s'est déroulé un événement phare de cette fin de journée, l'inauguration de la statue Jean Royer, hommage au maire qui a régné pendant 36 ans sur la ville de Tours. On retrouve sur place Brian Bock. Bonjour Florent, je suis ici, place de la Liberté, où se déroule actuellement, juste derrière moi, l'inauguration de la statue Jean Royer, en présence de Jean Germain, également du président de l'association des amis de Jean Royer. Alors il faut savoir qu'il y a à peu près 70-80 personnes autour. Alors, actuellement, il y a le discours du président de l'association des amis de Jean Royer. Et ce jour, je vous rappelle qu'il n'a pas été choisi par hasard, puisque le 31 octobre est le jour anniversaire, la date anniversaire de l'ancien maire de Tours. Je vous rappelle que cette statue a coûté 44 000 euros, financée intégralement par des dons privés.